On est le 8 novembre 2021. Là, dans mon bac de pouponnière, je vois comme des petits fils, on dirait des fils d'araignée. Alors, c'est peut-être le début des mythes alimentaires qu'il faut enlever. Le petit fil, là. C'est comme un fil d'araignée. Alors, je vais les tout enlever ce que je peux enlever. Et puis, je vais nettoyer le rebord du bac avec du vinaigre. En espérant que ça soit réglé. Puis qu'il n'y ait pas vraiment des mythes. Parce que là, les bébés, ça commence à bouger. Quand on enlève le son comme ça ici, on voit que ça bouge. Alors, il y a des bébés. On voit le son bouger. C'est tout petit, naturellement, à l'œil, on a de la difficulté à voir vraiment que c'est des petits vers. Ah, là, on voit ici un ver. Alors, ma pouponnière est vraiment en bonne fonction. On voit un ver ici. Ils sont très, très, très petits. Ah, ici, on en voit, là, des tout petits. Là, ici, petit, petit ver. Tiens, un petit fil encore. On l'enlève. Et voilà, on va régler le problème. Je vais mettre du vinaigre sur un linge. Puis je vais passer du vinaigre autour. Alors, depuis le 18 septembre que ce bac de bébé-là est en fonction, j'avais ajouté un peu de son le 11 octobre et le 20 octobre. Alors, c'est mon plus vieux bac de bébé. Un nouveau-né, un jeune ténébrion qui vient de sortir de mon bac de nymphes. Il n'est pas encore tout formé. Alors là, un autre nouveau ténébrion. Lui, il est très bien formé. Il est bien agile. Il est assez gros. Ça doit être une femelle. Alors, je vais partir un nouveau bac de ténébrion. Lui, c'est le petit bébé que j'ai trouvé. Il faut qu'il mange. Alors, je marque la date de mon nouveau petit bac le 8 novembre. Alors, je vais mettre les nouveaux ténébrions dans ce petit bac-là en attendant de les transférer dans un plus gros bac quand ils vont être plus nombreux. Alors, où es-tu là? Il s'est caché. Il s'est caché. Où est-il? Il y en a peut-être d'autres.
Je vais les transférer. Bon, je l'ai perdu. Il joue à la cachette. Où es-tu? On va le trouver. Je vais tout transférer les nymphes.